Connaissez-vous. Et puis donnez-moi le résultat du match. Donnez-moi le résultat du match. Ah, petit, ne te mêle pas dedans parce que ce sont aussi tes parents. Ça ne faut pas te mettre dedans. Voilà, ne te mélange pas dans mes affaires. C'est vrai, toi, tu es partagé entre deux pays là. Donc voilà, laisse-moi seul. Moi, je n'ai rien à voir avec eux. Laisse-moi seul gérer avec eux. Voilà. Voilà. Toi, il faut toujours les considérer comme tes parents. Respecte-les, tu te trouves. Mais voilà, ils ne sont pas dans votre truc. Ils ne sont pas dans ce complot-là. Voilà, toi, tu peux. Sois tes parents. Il faut toujours les aimer, toujours les respecter. Mais moi, je suis ivoirien. Connectez-vous. Bon, moi, je me fais mal. Est-ce que vous avez fait le calibre pour être fils? Non, attends, viens boire de l'eau d'abord. Connectez-vous. Connectez-vous. Donc attendez, hein, attendez. Donc, vous organisez vous-même, vous-même vous organisez couple là. Donc c'est à cause de ça là quoi. C'est parce que vous aviez peur de la Côte d'Ivoire que vous vouliez voir la Côte d'Ivoire perdre. Mais vous avez sous-estimé Égypte. C'est pas pénalty, on a joué avec eux et puis nous là, c'est un but seulement, c'est un pénalty, on a loupé. Vous avez loupé combien? Et puis ça dit que ce qui fait mal quoi, quand on nous gagne en huitième de finale, c'est bon. Mais ce qui fait mal quoi, ce qui est très bas bien quoi, ça dit que c'est lorsque tu vois couple là comme ça, tu sais que après ça, tu dois toucher ça. Et puis on te dit, hey, petit, il reste tranquille. Ça c'est la partie qui bétille. C'est la partie là même qui bétille quoi. C'est la partie là même. C'est ça même qui bétille. Dans le Cameroun, vous ne savez pas jouer le ballon. Vous avez triché. Malgré toute tricherie que vous avez fait là, tout le monde a concentré les yeux sur vous. Une fois, vous ne pouviez pas éliminer tous les joueurs égyptiens à cause de Covid. Ils vous ont fait ça propre, sans vaseline. Hey Jay, ils ont courbé et tout comme ça. Comme lui-même, il aime ça aussi. C'est un gay. Ils lui ont fait ça propre. C'est bête. Ils ont ouvert Queen là, des taux comme ça, Gaïa quoi, en plein terrain. Et puis lui, on fait ça, bouillou. Si on peut mourir quelqu'un comme ça. Deux coups, éjaculation de ça là. Un coup a pris 45 minutes, qui t'a là, tu peux pas marcher, mon frère. Tu quittes là, tu marches pas, et tout. Tu as besoin de calibre la nuit là. Appelez Marco Mizaren. Lui parle de quoi ici? Même équipe qui nous a gagné là. C'est même équipe là qui les a gagnés. Même équipe qui nous a gagné là. Malgré qu'ils ont supporté. D'ailleurs que les Égyptiens sont venus supporter Égypte. Les Camerounais sont venus supporter Égypte. Malgré ça, c'est un seulement qui a fait la différence. C'est ça Côte d'Ivoire.
On a sauvé l'honneur. Ils vous ont moussadé propre. Ils vous ont fait cadet bas propre. J'ai dit, jusqu'à la FBS, se cherche. Ça se cherche. Ils disent qu'ils dansent Ndombolo. Ndombolo. Non, non, eux, eux ne dansent pas Ndombolo. C'est quoi, ils dansent ça? Ils ont l'air de danser ça. Danse qui danse comme ça. Ils ont une danse qui danse comme ça. On est des fablettes. Vous ne connaissez rien. Musique, vous ne connaissez rien. Ballon, vous ne connaissez rien. Basket, vous ne connaissez rien. Tout ce que vous connaissez, c'est boxe. À cause de Ngamou. C'est lui seul qui vous a sauvé. Ça vaut Francis Ngamou. Sinon, vous ne connaissez rien. Des batrades comme ça, là. Vous pensez que quoi, vous pouvez vous comparer à Côte d'Ivoire. C'est la même équipe là, hein? C'est pas une autre équipe, c'est la même équipe l'Égypte là. Vous avez cru quoi? Que non, Égypte n'a qu'à gagner Côte d'Ivoire, parce que vous avez trop peur de Côte d'Ivoire. Égypte n'a qu'à gagner Côte d'Ivoire, comme ça nous on va en gagner Égypte. Égypte, ils vous ont blagué, c'est technique, ils n'ont pas utilisé tous leurs joueurs, vous avez vu non? Ils n'ont pas utilisé tous leurs joueurs parce qu'ils savaient qu'ils allaient forcément vous rencontrer en finale. En finale là, ils vous ont montré, pénalty, bouillard. Quand on dit pénalty là, quand poteau est comme ça, on met ballon dans poteau et on ne met pas ballon ailleurs. Les coloris comme ça, vous ne savez pas jouer ballon. Pensez que quoi? Chez vous là-bas, quelles sont les choses là-même? À part Rigobert Song et puis Rigobert Song, est-ce qu'il est où même? Il est où même? Et puis Etofis. Etofis là, c'est passé, c'est un bain que son football allait loin. Si ce n'était pas un bain là, c'est quel bon ballon il sait jouer. C'est parce qu'il est bain et que ce monde est contrôlé par les bains, c'est pourquoi on lui donnait les trucs là. Un père comme ça, elle peut donner quoi. C'est vrai, il est avec notre soeur. Notre soeur a le calcul, même pas, elle beaucoup en désordre. Il lui sait qu'il ne peut pas bouger, mais il sait qu'il est père. Mais il ne veut pas que ses parents sachent qu'il est père. Un père comme ça. Ils l'ont courbé sur le terrain. Hein. Lui, on fait ça propre. Moukou, 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 moukou. Ils n'ont même pas utilisé Basilim. Mais les Égyptiens sont mauvais, quoi. Les Égyptiens sont trop mauvais. Non, non, les gars, pourquoi vous êtes mauvais, quoi, vous, Égyptiens, là? Les taxis vont pleuvoir ici aujourd'hui. Les Égyptiens, ils sont pleins, c'est les taxis viennent ici. Tu vas attendre partout. Couple quitté d'amour, combien d'étoiles? Trois étoiles, ou je ne sais quoi. Et toi, là, vous allez dessiner ça. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez vilain ballon, vilain terrain, vilain président de la PES et de la FICAM. Tout est vilain chez vous et vous ne parlez rien. Donc, et toi là, dès que tu viens, c'est-à-dire ton mandat là, en tant que président de FICAM là, tu viens mettre là, la première des choses, c'est corruption. Deuxième des choses, c'est quoi? Intimidation. Depuis, avant que toi tu ne viennes à la FICAM là, on n'avait jamais menacé Ivoirien. Ricardo Samba même a dit ce qui s'est passé assez grave. Les gens ont vu, c'est-à-dire que nous on n'a pas eu toutes les images. Mais ceux qui étaient là-bas, au Cameroun, là-bas, ils ont dit non, c'était grave. C'est grave. Peut-être même qu'ils ont frappé des gens, mais les gens n'ont pas montré. Ricardo Samba a dit que non, 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 que ce qui est vu, non, c'est grave. Et que lui ne croit pas que les Camerounais vont avoir le courage de venir jouer en 2023 en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Ricardo Samba. Hein. Il a au moins plus de 25 ans de carrière en tant que journaliste sportif. Il a au moins 25 ans de carrière en tant que journaliste sportif. Quand il dit ça, là, il n'a jamais dit ça. Quand il dit ça, c'est que c'était sérieusement grave. Tout ça là pourquoi? Vous allez faire tout ça là pourquoi? Pour ça là. Pour venir prendre chose, truc qui n'est même pas, c'est en aluminium. Coupe en aluminium de deuxième titre. Et puis la coupe là même elle s'en va. Vous allez prendre aluminium. Mais il fallait prendre Série Dakar pour faire aluminium. Il fallait me dire depuis là si c'est aluminium vous cherchez. Moi je pourrais prendre Série Dakar pour vous donner. Je vais prendre Série Dakar, vous ne connaissez pas Série. Hé, hey, Naël. Vous ne connaissez pas Série Dakar. Série Dakar, c'est très simple. C'est ce que les gens prennent pour faire ablution là. Voilà. Et puis les gens prennent ça pour aller chier. C'est ça qu'on appelle Série Dakar. Il y en a en caoutchouc, il y en a en aluminium. Voilà. Donc c'est en aluminium là, c'est ça que j'allais vous donner. Et puis vous allez faire chose, vous allez faire coupe avec. Les coloris quoi, course. Embaissé. Vous allez pleurer aujourd'hui là. Vous allez pleurer aujourd'hui là. C'est comme ça, ça y est. Vous connaissez rien. Vous pensez que quoi? Que non. Vous avez cru qu'en supportant les Égyptiens, il fallait les supporter maintenant.
Ils jouaient contre vous, donc il fallait les supporter maintenant. C'est là la main, on voit, il fallait les supporter là. Mais c'est rien. Plus l'Égypte a pris coupe là, c'est vous qui avez pris coupe, puisque c'est votre équipe. C'est même équipe là, non? C'est Cameroun bis. Donc on les appelle les Égyptcam. Égyptcam a pris la coupe. Voilà. Donc normalement, tout Cameroun devait sauter comme ça. Voilà, parce que la coupe est restée à domicile. Ouh oh Cameroun, ouh oh Cameroun a pris la coupe, ouh oh Cameroun. Mais pas bien quoi, on n'est pas traité comme ça, on vous parle, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas jouer le ballon. Tout ce que vous connaissez, c'est broutage, prostitution, vous n'avez rien dans la tête. Des analphabètes comme ça, vous pensez que vous pouvez parler à qui? Vous pensez que Côte d'Ivoire est votre ami? Vous pensez que Côte d'Ivoire est notre ami? Nous, on rentre à la maison avec dignité. Se fait pas maltraiter sur notre propre terrain comme ça. Maltraiter quoi, comme des cafards? Matrain jusqu'à vous allez louper deux pénalties. Ça c'est quoi ça? Des malheureux comme ça. Vous êtes malheureux en tout. Vous allez parler de qui? Vous allez parler aux gens ici. Vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi? C'est pas gris-gris, connaissez médicaments qui va vous transformer dans des folles dans les rues. C'est pas pour aller prendre des gens et puis les déchirer avec des lames pour enlever enfants dedans. Vous connaissez quoi? Vous êtes tout, dans tout, vous êtes médiocre. Vos pays n'évoluent pas, votre football n'évolue pas. Votre développement, là, il avance en arrière. C'est-à-dire que votre développement, pendant que tous les pays africains font un effort de se développer pour aller devant, vous, votre développement va en arrière. Même football encore, vous régressez. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pays, ça. Pays mouton. N'importe quoi. Non. Mais pas, et puis, vous allez venir commenter sur ma page. Hein. Regardez, ils n'ont pas honte. Hein. Allez-y pleurer là-bas. Allez-y manger manioc et puis vous allez dormir. Hein. Bâton de manioc. Nous, chez nous, on mange manioc. Les tubercules de manioc, c'est ce qu'on mange. Vous mangez bâton de manioc. On dirait qu'il y a des chevaux, on dirait gbenye, bâton de manioc. Vous prenez gbenye pour préparer, pour manger, vous appelez ça. Nous, gbenye, on prend son pays. C'est ce que les djoulas prennent pour chicoter leurs femmes. Voilà. Voilà. Cela, c'est toujours au moment où l'homme occupé qu'ils appellent. Yeah, hello? Ok, I'm coming now. Ok, waiting for you. Donne-moi une seconde. Je vais prendre les trucs pour Naël. Allez, reste ici. Hein. Pas bouger. Hein. Gabri. Pas bouger, pas
Ok. Donc vous voyez, non? Eh, Cameroun. Non. Vous êtes des patraciens. Des vrais patraciens. Vous pensez que le football, là, c'est force. Football, c'est pas force, c'est intelligence. Hein, toi et ton fils. Toi, tu viens, tu vaux rien. Parce que tu as l'argent, tu dis non, tu apprends FICA. Depuis là, tout va mal. Tu n'as pas fait terrain. Hein. Tu as corrompu encore partout. Tu as triché avec des tests de COVID-19. Mais malgré ça, encore, tu as arraché ça. C'est-à-dire que vous avez échoué 4 fois. Vous avez touché 4 fois. Et ça, ça fait pitié parce que Côte d'Ivoire n'allait jamais tricher pour prendre une Coupe d'Afrique. Non. D'ailleurs, nos coupes là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire que ça s'est joué. Tout ce qu'on a pris là, ça s'est joué ailleurs. Vous voyez un peu, non? Il y a un problème encore. Bon. Man, I'm doing my video. Okay, leave it there. Leave it in the hole. Bon, je vais vous laisser. Après, demain, frappez une bonne vidéo. Parce que cela m'a déconcentré.